Voilà, faut que vous ayez un ami, Tindika Tindika Télévision, Kamoa Simolobelia Fati. Bon dimanche à tout le monde. Vous êtes presque en direct parce que vous avez le discours du chef de l'État. Message Ninia Koloba, mais fuite et information Bimi, Nakatia émission Oyo, Tokomerako, Yoki Sabino, fuite information Oizali, Nakatia message à Mokonzamboka. Bobin à la banne, vous allez brancher. Et monsieur Bandi, Noroba Mingite, pour Kalate Mokonza Koloba, et puis dans la vidéo, moi Mingi, et monsieur Pesotan Mingite, pour Bolembangati. Mbote na bino, bino nyoso, bozota la tindika tindika, na minute bongo na kamera, ezali bongo katika mwasi, ma troisième fille, nde aza na kamera be filmenga, ou izasi koma kama pale, donc, bwa lida litunga, ne balo bakali kama ndako. Voilà. Na sommaire, bongo za fuite information, a message ya mokonza mboka, le fou baron, pa bimila Kinshasa, le fou baron, de batama boma na ba dolar na poche, na ebisa ki bino afdel, alinga zongi la pouvoir na e par la force. Si qu'on fallait changer de stratégie, aika na ba stratégie archaïque ya kala. Atie ba soda ba komba ta ba boma ba ba na cité. Ba noko ba si ba timbela ki bango. Pour dire que ba Moïse Nyarungabo, ce qui bozap mala force bozongi ani bosala makambo. Pour bobeta ka tolo kito. Ko isa mo buto libera bino. Bozongi la siko. Ba zongi li pe. Ba ba ndika na idéologie ba côté la ki ba ta ma boma. Ba ki no ba timbela bango ba récupérer bango bo mona makambo leka lelo na émission. Sénateur à vie, il y a une émission précédente qui n'a eu d'informations sur le voyage été. À voyager pété. Mais pourquoi vous voyagez été? N'a pas interdit de voyager. N'a évité. N'a émission à l'élo. Rapidement, vous avez une réaction à Katanga après voyage avorté. Il y a sénateur à vie, Chine à Rambo, Rambo à Chine, pour que vous ne m'avez pas de la Katanga. Et y a pas ça beaucoup de réplique réponse monsieur Marc Kapenda. Il y a allé bon professeur en sciences politiques aux États-Unis d'Amérique à répondre avec beaucoup d'énergie à Pesiku na Evariste Boshab par rapport au système politique du Congo. Donc système semi présidentiel. Bouyo Kango, na émission lelo. Ni comment pas passer l'émission à l'Obama Marta Botaf Tiseke de Félix. Kala kala boulevard a monté pour Nanine. N'a pas encore recadré, ok? Pour Nathan. Merci beaucoup, Tobandi émission. Mote na bino, surtout ma bon dimanche. Na Jaco Mudingayi, vitesse de croisière. Et welcome na Christine Mpinda, Mpinda Weto, motema ya Joseph Mpinda, maman présidente ya MDDC. En séjour à Kinshasa. Joseph Kabila a voyagé na Katanga. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une résidence surveillée? Est-ce qu'il y a un Kangama? Est-ce qu'il y a un droit de voyager? Est-ce qu'il y a un randonnée Moutou? Non, il n'y a pas de voyager. Il semble comme qu'il y ait un aéroport. Il y a un jet Yangoyo. Mais individu, comment dirais-je, et l'ilingi, y a pamba. Nous avons un athée, et l'ilingi, il veut empêcher mon tour côté avion. Nous avons un athée. Même si l'avion est un ou matati. Nous avons analysé analyser mon athée pour l'instant, parce qu'il faut tout diffuser déjà l'émission, ou mon condition de bakalate. Bon participer, pour l'abino, bon comme l'anga, rapide. Pourquoi avoir voyagé? Et cause à la nini, c'est l'obino. Au Bokoloba, il y a un autre conseil à ce que l'émission Lobby après le discours du chef de l'État, tout imaginer, tout réfléchir ensemble pourquoi avoir agité. Mais bon, tel a quand même n'engi ba bongisa ki koyambaye, na famille politique na ye, na Katanga, avec la complicité, ya Kati, Kamwasi, Katerina, Tindika Bango.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau mobile, il y a Tindika Tindika, car moi c'est toujours la pointe pour l'obélia Fati. Pour moi, il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. Mais de l'autre côté, la population peut, oh, il y a une visite qui a été, il y a une réaction. Il y a un qui est là, mais ce que je n'ai pas accepté, c'est de condamner ma Kati, ma chemise, il y a un sénateur à vie, ma Tumbi, et ça a bien été bloqué, il y a une violence. Bon, on va répliquer, tout le monde va chef de l'État, et on va faire ça bientôt. Dans la base, la population, et bon, ça la maille, na ba erreur, wana. Tiki bango, bazongi na bango, mais n'est pas brûlé, n'est pas déchiré, ba chemise na bango, et on crée ba mitinerie, et on crée ba trouble, pour rien, peut-être on a besoin, mboka, et bon. Bon, t'as la peine, n'est-ce pas, na katanga, na bandeko, ou y'a pas de la qui, pour, tout peut contre arriver. Il y a Félix, comment dirais-je, Joseph Kabila, Nakatanga. Katika Mwasi, Tindika Bango. Unachelewa! 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 Bila kuvara ya gesha uisha, atupende kumuona Mukatanga. Kama nashuka Mukatanga, atapata mambo moya ile ashionake. Na badepite yake, atupende kumuona Kabila Mukatanga. Bambia na badepite yake, kama nafaa miza, bataona mambo moya munene ile abaonake. Messie en question, que vous appelez je ne sais pas quoi qui. Le messie en question, nous ne le connaissons pas. Et il n'a pas le temps de venir ici pour nous distraire. Il a détruit le pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il vient maintenant faire ici, à Lubumbashi? On a vraiment, on ne voulait même pas entendre quand même, ça va. C'est tous les Katangais et tous les Congolais en particulier sont déjà fatigués de ces messieurs-là. C'est quelqu'un qui a mis notre pays à terre. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est avec les 18 ans que M. Kabila a passé à la tête de notre pays. Il l'a tout détruit. C'est un pilleur. Nous ne voulons pas de sa présence ici. Oui. Même si on a vraiment envoyé des émissaires pour dire que M. Kabila doit arriver par faire l'atterrissage forcé ici, nous les rassurons que nous, la population, nous sommes vigilants. Cela va fou, les fous patrons, les fous friqués. Comment monte ma bombe, monte les bombes dans la bombe dans la poche. Là bas, il y aura qui toque, bas Meli, bas Motorola, bas GSM. Crédit côté où t'as gagné, bas n'arrête. À bien dans la bas désert, bas tout bas là, les bas dos sur là. Donc monte les bombes à Gombe, à ce moment monte les bombes à Kingasani, monte les bombes à Kingasani, à ce moment monte les bombes à Ngaliema. Souka na causerie. On peut appeler ça par code. Bah faisait héros bouillant les mouvements côté niné infiltration y a de l'irlandais voilà mais bah changer un système il ne faut pas coutume bah zongé n'est-ce que dans l'émission les gars qui battent ma bombe bah côté nakin pour identifier bah opération c'est bandit déjà bouillant bissadja battent ma bombe en abino bah si bah yebi qui bazar nakin
Mkali Boma tout a commis en danger déjà. Parce que la population va donc prendre le Mosco en charge. L'idéologie, voilà, c'est échoué. Bon changer l'idéologie. Botala, Ndenge va récupérer Batama Boma, Batindi Bangona va service. Approprié, c'est-à-dire ANR, la police et tout, bah ça la musala va identifier bango bah maintenant la tinda qui bango, peut-être la suite sera dévoilée après. Bota la ningue les gars qui, pratique à moi si tinda qui bango. Mais ceci dit, nous allons rentrer et le lundi, nous allons venir ici pour déposer notre pétition qui a requis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui là, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion tant nationale qu'internationale la façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Madame Mabunda gère le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Mais néanmoins, je demande à tous les députés qui sont avec moi, les signataires, ainsi que les médias, d'aller constater la fermeture de tous les bureaux et à la fin, nous allons remettre notre pétition à l'huissier de justice. Et je demande à tous les députés signataires qui sont ici, de toutes tendances confondues, du CASH, du FCC, de la Mouka, de l'FDC, du président Bahati, du président Bahati, le PPRD, parce qu'ils sont avec nous ici, qui ont signé et qui sont contre les méthodes de gestion de Madame Mabunda, lesquelles méthodes sont décriées. Et nous allons faire le tour de tous les bureaux ici pour que vous puissiez constater ça avec nous et faire rapport à la communauté tant nationale qu'internationale. Inda qui n'a parlement. Na ebisibino ba député ba kiti Jean-Marc Kabunda Kabundi na pointe na kanda oyo balongolaka ye na miso abate na télévision en direct iska ko wale sio kufaka jona oyangwana so boye bakate parce que Kabundi n'est pas n'importe qui na makama ko wale sio oyo FCC cash boye milier ye na miso abate bomba la ki sik FCC ne prêtre Kabundi imilier la télé mota na nga sala zonga calme avana ngume afana na calme lobby d'aki ko kota na ye na Assemblée nationale anakonda bungalo anakonda abatami na bureau de 8h à 20h na ba kimu fe ba bloquer ba na ba bureau ezaki ko yinda lobby boyoka déclaration mais ba memo tout ekoti ba kanga ki ba bureau tout mais na bimba ba yeko fungola mais quand même et quand il y a une déclaration, il y a un député pour un sitting de la lobby, dépôt, il y a un mémoire dans le bango, il y a un lumbe, n'a pas parlé du peuple. Katika Mwasi, Tindi Kabango. Il y a un Momoni ambiance, c'est là qu'il y a eu la paix du peuple.
balobi s'il était lundi au Québec, barozong a les sous. Donc mbutu balobi biro ya mabunda, il faut ikwe ya kaka et là là chaos. Masolo est changé, partout bazan a besoin de changement la mboka oyo. Ba mrie ma et salami trop na biro wana, et ça biro moko zo mérité ko exister. Lissou te qui vivra verra total la semaine prochaine et vous allez en gagner. Rapidement, vous avez dit que vous avez fait un béton. Vous avez fait un béton. Vous avez fait un poids lourd à récupérer dans le cadre politique. Dans la tête, dans l'Équateur, Jean-Pierre Bemba Zakuna, Gombo. Vous comprenez que la politique n'est pas statique, mais la politique est dynamique. Bemba, dans l'Équateur, poids lourd. Il va créer des problèmes faciles à protéger à Tindimbi les Sobe à Zara pour la sécurité. Na Katanga a eu deux têtes. Kungwa Kumwanda Baba pour la pointe. Katumbi Moïse pour la pointe. Tokiti, Congo central pour l'instant, parce que Congo central est ce qui vient d'un problème de leadership. Actuellement, la Congo central est en train de casser au soka Telemi et il n'y a pas de leader. Il y a Congo central. Bazoumou en a sous-souté Nicolo. Donc, pour l'instant, on a dit au Dimat, il y a qui n'est moins ancien. Donc, il y a qui est moins ancien, il faut récupérer en attendant. Zalawan, on a un ton, un nini, un traitement, un nini, un moutou, un sika déjà bien. Bon, moins ancien, en attendant, hein? Je dis bien en attendant, moins ancien, si moi, je compte pour comment central. Il y a mon cobé, quand on a 100 trains, les deux Kassai. Béton avant de donc pour l'instant, j'ai bien dit, on va dévoiler ma tête et mon souci pour ma lobby pour les gens en chantier, les gens en cuisine. Moutoumou a sali vidéo à l'obi Fatia dans mon maman artité. N'a comparé à un dingue mouya dans mon maman artité, Kuna Moubak à l'obaki, tu sais qu'il peut abota Fatite finalement. Donc ni moi dans ma maman art, ni moi dans tu sais qu'il dit, donc Fatia c'est un monstre. Bon, d'accord. Moi, je suis maman artité. Moi, je suis sécurité. Moi, je suis Jésus-Christ. Voilà! Béton en Christ. Pourquoi Kala Kala la Bolo Bakamote? Kala pas comme président, mais comme belé belé. Je suis un peu comme ça, ministre. Je suis un peu Tindika, Tindika, moi, je suis cité. Moi, je suis Charlotte Mondongate. Moi, je suis maman Marthe, ma kamone sa la kaye logote. Marthe Kassalou, maman a biso. Maman ou ya battre record. Ba veuve nyon sa ya Congo. Pourquoi pas ya Afrique? Deux ans. Ala la kana etoko na hiver. Mobile na morgue. Check, non prêtre mère. Toi sa ki di la, maman ou etou. Boyo ki tipo wana, boulogi. Azo ba n'importe quoi. Le cas batin ba journaliste, zuka ka téléphone au tchè boyo bandi émission, ba tout ba tali. Ah. Ma watro. Boulogie. Bola na yete. Maman Marthe, maman na biso. Abota Fati. Moi na ye. Bola na bloc wana te. Moulouba. Azo combattre ndeko ne Moulouba. Ce n'est pas bien. Ndenge moko na ba mamu national. Moulouba. Pour intérêt à ba Rwanda, vous avez dit que vous trahir ndeko na yo Moulouba. Oh, le ne ba, soki yindi to kinenzela moko, mais soki yindi Fati, ba kinenzela mona chala mwana. Ba Rwanda ba kokende bo Rutshuru, Fizi, ba bimi po, ba kati frontière ba ki. Ba sungeli yo. Mais tu acceptes ndeko ya yo. O bo kolela na munoko moko soki ozana matanga, bo kolela na munoko moko, bo kolela ndenge moko. Mamuani, mamu. Onde ba lela chiluba. Parce qu'on a une Rwanda qui est là. Quand on a une Rwanda qui est donc grand bok, on a une Rwanda qui est pour un bon développement. On a un bongo, on a un soutenir, mais on a un bon on a trahir. On a un sacrifié. Voilà les Congolais. C'est triste. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Na bino tout botali émission lelo. Si ko yo ka réponse, réplique. Il y a professeur à l'université, à Sciences Po. Alors, vous expliquez, il fallait se débocher. On est la correction. Boyoka, après ton clôture d'émission. Katika Mwasi. Et ça, audio, à tenir l'épisode des États-Unis. Après, c'est court. Katika Mwasi. Tindika Mark Kapenda.
Le système primo-ministériel est une variante du système parlementaire britannique. Dans ce système-là, le Premier ministre et les ministres sont nommés parmi les députés du parti majoritaire au Parlement. Ils sont alors ministres et députés à la fois, et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ce concept de primo-ministériel est inexistant dans notre système semi-présidentiel. Cependant, nous avons hérité de ce système-là le principe de la responsabilité ministérielle selon lequel le Conseil des ministres parle d'une seule voix et chaque ministre est responsable des décisions qui y sont prises, qu'il y soit favorable ou pas. Ce principe commande donc que, pour sa stabilité et son efficacité, le gouvernement soit solidaire face aux autres pouvoirs. Parlons de la séparation des pouvoirs politiques, qui est un principe fondamental de l'état de droit. On peut retracer les prémices de la balance des pouvoirs chez les philosophes antiques Platon et Aristote, alors au cœur d'une réflexion pour une cité idéale. Mais c'est vraiment à l'époque moderne, au XVIIe siècle, avec le déclin de la théocratie, l'émancipation de la société civile, l'émergence des idéologies et surtout du Parlement comme moyen de limiter les pouvoirs exorbitants du monarque, que s'installe la pratique de la séparation contemporaine des pouvoirs politiques. Trois pays servent de modèle aux trois systèmes politiques existants de l'état de droit. L'Angleterre, les États-Unis et la France. En Angleterre, c'est la théorie du philosophe John Locke au XVIIe siècle qui est à la base du système parlementaire. Défendeur des libertés des citoyens et en particulier les libertés économiques, en séparant le pouvoir législatif de deux autres, l'exécutif et le confédératif, pouvoir du roi, John Locke accorde une prépondérance au pouvoir législatif. Car pour lui, la liberté ne peut exister que si la monarchie est limitée par le respect des droits contractuels ou constitutionnels des citoyens. Contrat social oblige, et si le Parlement exerce effectivement ses pouvoirs. Ainsi, dans la monarchie parlementaire britannique, le pouvoir législatif prend une prépondérance sur l'exécutif. Quant au système présidentiel américain, il rompt avec la tradition britannique et se distingue par une séparation des pouvoirs stricte. Les prérogatives du président, élu au suffrage universel, y sont très fortes. Tandis qu'en France, sous la monarchie absolue de Louis XIV, c'est Montesquieu, XVIIIe siècle, l'auteur de l'Esprit des lois en 1748, qui récuse l'absolutisme royal, à l'exemple de la monarchie parlementaire britannique. Mais son analyse l'amène à justifier un modèle de société où les nobles comme lui doivent jouer un plus grand rôle politique. Alors, il met le pouvoir exécutif avant le pouvoir législatif. Vous verrez d'ailleurs que dans la Constitution française, l'exécutif est mentionné avant le législatif. Montesquieu élargit aussi la division de pouvoir d'État en y ajoutant le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir qu'il considère comme la bouche de la loi. Depuis 1958, la Constitution de la Ve République a intégré les éléments du régime présidentiel dans le cadre parlementaire, d'où l'expression « régime semi-présidentiel » en France. Élu au suffrage universel comme président de la Ve République, de Gaulle a encore renforcé le pouvoir exécutif en France. Et c'est le système semi-présidentiel français dont s'inspire la Constitution congolaise. Cette dernière renforce encore la prépondérance de l'exécutif en l'élevant ou en élevant ces deux organes au rang institutionnel. Le président élu au suffrage universel, ce qui amplifie sa légitimité, et le cabinet, entendu le premier ministre et les ministres, par les biais duquel le président, chef de l'exécutif, gouverne. Dans les systèmes semi-présidentiels congolais, donc, il n'y a pas d'hierarchie, pas deux chefs. Le premier ministre épaule le président dans les fonctions exécutives. À quiconque demanderait les articles de la Constitution qui donnent un pouvoir prépondérant au président de la République, on peut en citer plusieurs, entre autres les articles 69, 78, 148, 197, 198 et j'en passe. Voilà donc pour ce qui est de la division et de la séparation des pouvoirs politiques. Le système semi-présidentiel congolais
donne des prérogatives si énormes au président que même le président américain pourrait lui envier. Merci beaucoup. Secret, tu peux foutre l'information et ça, tu peux faire pour la CG. Ce qui est dans le temps où Oyo, Kamere, c'est là qui est directeur de la cabinet chef de l'État, il y a aussi fouille d'informations, il y a un message, c'est Bimaki qui a les réseaux sociaux. Parce que négligence, c'est ce qui m'a cassé. Il y a peut-être un sabotage, Tony. Mais bon, tu as là, depuis, il va changer. Ah, hier, en principe, logiquement, toi qui es dans ma polémique, les AI, ou as actuellement, wana, vraiment, ils méritent mieux. Bah, c'est créé. Bah, lettre administrative, il m'a reçu dans les réseaux sociaux, et sérieux, quota, dans la cabine chef de l'État. Check! Na kosa ki bino. Ngana ki bino sa foute information, même satana na yoki. C'est sacré le message du chef. Bruni ma kananga? Bino mou balu ki langati, mou lobeli, obeti mabe. Même si na zui fuite, na ko lobeli angote. Parce que c'est un discours très attendu, trop même, dans le monde entier. Ngana ki bino sa fuite? Ane la kananga, baba lo gilanga, molo belia kende, bana batikala. Eh, katou kambade. Kizori mambo. Merci à tout le monde. Restez fidèles à Tindika Télévision. Merci na Bibish Mwika. Ndeko ya Fati. Omoni Bibish, omoni Fati. Omoni Fati, omoni Bibish. Bibish nani, Mwika. Mwika, yaba Bibish. Famille présidentielle. Merci na Patrick Kapeta. Le président actuel, il y a As Bantou. Il y a un Kita, on va accompagner, on va accompagner dans Bouchimaï. Il y a un fouet. Tu as le discours du chef de l'État, on a pris dans moins 20. Non, mais là. Puisque on a mis dans le discours, on a pris dans la Yokité. Est-ce que le discours, on a pris dans le Sabiso, Toté, on a mis dans le 20 pour non, mais là, après le discours, on a mis certainement. Et vous allez m'abêter, et vous plaire, Batoutou. Et Batoutou, vous allez retrouver dans le discours, voilà, parce que c'est trop attendu. Merci qui binoti. Tout est le discours, y'a mon compte en boca. Bye bye, ciao, bon dimanche à tout le monde. Merci, Katika, moi aussi, na caméra. Na bana pale. Merci.